avec un nouvel épisode de A+. Votre émission dédiée à l'art et à la culture vous amène à la découverte de l'artiste afro-pop et de Music World, Christelle Moon, en concert live à l'Institut français de Yaoundé. Sans plus tarder, suivez-moi. Christelle Moon, camerounaise, originaire du Honkam, par Bafan. Et bon voilà, je me suis attachée à l'art et maintenant j'essaye de me mettre dans la musique. Voilà. J'essaye pas, je me mets à la musique. Point. Très bien, ça s'est très bien passé. On ne trouve pas tout ça au Cameroun. C'est pas donné à tout le monde d'avoir tous ces rythmes, de savoir agencer ces rythmes, de savoir se retrouver et appeler tout le monde à être connecté dans ce que nous faisons. Vraiment, un grand bravo à Christelle. Un très, très grand bravo à Christelle Moon. Vraiment, c'était un truc de ouf. C'était très bien. Moi j'ai aimé. La comtesse des amis.
Nous sommes très contents d'assister à ce concert. Christelle Moon, c'est une artiste montante sur laquelle on peut compter dans le futur. La nouvelle génération de la musique camerounaise est en train de la marche. Et là, nous avons assisté à un super concert. Super concert, et je pense qu'on pourra compter sur elle dans le futur, Christelle Moon. C'est la représentation du Cameroun. Ok, merci. Ça y est, de ce merveilleux spectacle que nous donne notre chère sublime voix Christelle Moon. Je suis ravi de sa prestation. Elle a tout donné dans une brochette de 4 à 8 titres avec beaucoup de variétés, du reggae, de l'afro, du bikutsi. Bref, je suis content, je suis ému d'avoir pris part à ce concert. Avec hashtag mordre dans la paume. Donc ce n'est pas Loé tout court. Loé hashtag mordre dans la paume. Oui, effectivement, c'est mon dernier produit. Il est sorti en décembre, le 7 décembre 2018. Donc c'est un projet dans lequel je me suis rapprochée un petit peu, enfin, d'un autre répertoire, on va dire. Le principal, il s'appelle Michael Jackson. Bon, maintenant derrière, en fonction des messages, j'aime bien le reggae, j'aime bien Bob Marley. Au Cameroun, j'ai adoré ma maman qui m'a laissé beaucoup de messages, maman Anne-Marie Nzié, maman Afrika aussi, Miriam Makeba. Et puis j'aime beaucoup l'énergie que donne Karet Soso dans son travail, dans sa façon de faire. Et je m'en sers un peu comme modèle aussi. En réalité, moi je suis diverse. D'une manière générale, je crée ou je donne, je vais dans un certain style en fonction du message que j'ai envie de passer. En ce moment, je me prépare pour des marchés comme le Colatier, le Massa et tout le reste. Donc ce sont des... Parce que moi je me suis attaquée à ça. J'aimerais pouvoir être retenue au Massa par exemple. Donc ce soir vous avez pu assister au concert de Christelle Moon. Donc c'est une artiste qui fait dans la world music, l'afropop. Donc voilà, vous avez pu découvrir son nouvel album et son univers, le Doulou. Voilà. Et donc à l'Institut français, on a l'habitude d'organiser des concerts tous les mois, des apéro-concerts tous les mois. C'est des moments conviviaux qui se passent le jeudi soir parce qu'il y a l'Happy Hour. Donc une fois par mois, vous pouvez nous retrouver ici pour découvrir un artiste ou redécouvrir un artiste à l'Institut français. Et sinon, on a aussi des concerts dans la salle de spectacle. Mais on trouve que les apéro-concerts, c'est très convivial et tout le monde passe un beau moment, tout le monde peut danser. Donc voilà, on a passé une très belle soirée en présence de Christelle Moon.
Dans l'actualité culturelle du continent, le comité d'écoute du prix Découverte RFI a dévoilé la liste des 10 artistes finalistes de la compétition pour l'édition 2019. Le prix qui récompense les nouveaux talents de la musique africaine va récompenser le 7 novembre l'un des 10 talents sélectionnés à base des votes du public et du choix du jury composé d'artistes de renommée internationale. Parmi les artistes sélectionnés, l'on retrouve les deux artistes camerounais Lidol et Sizoul, le gabonais Angie Blink, le béninois Nasty Nesta et l'ivoirienne Annie Chris. Au Cameroun, l'artiste Magasco a dévoilé son nouvel album intitulé Heart 2 ans après la sortie de son dernier album. Le Bamanda Boy, comme le surnomme ses fans, propose au grand public un double album composé de 30 titres où l'on retrouve des variétés telles que l'afropop et le dancehall. L'auteur du tube à succès Sokoto prône la culture africaine et veut l'exporter au-delà de ses frontières. Au Ghana, la Joconde de Léonard de Vinci a été revisitée par l'artiste ghanéen El Karna sur les réseaux sociaux. La Joconde Made in Afrique met en valeur la beauté de la femme africaine sous toutes ses formes. La photo a rapidement enflammé la toile, qui a multiplié les partages et a suscité la réaction de plusieurs acteurs majeurs du continent. C'est après ce sublime moment culturel que nous réformons notre émission. Rendez-vous aux prochains épisodes pour vous faire découvrir d'autres chefs-d'œuvre culturels. Restez connectés sur A+.